Allez, on reprend l'aventure sur Final Fantasy VII Remake. On est toujours dans le secteur 5. Et il nous manque une quête à accomplir, plus une autre quête annexe pour avoir la meilleure tenue pour Aerys. Je mettrai donc le lien des tenues d'Aerys dans la description de la vidéo. Allez, hop, c'est parti. Bonjour. Excusez-moi, je crois vous reconnaître. Vous devez être le fameux mercenaire, n'est-ce pas? Ouais. Je me présente. Je suis Damon, reporter pour le journal de l'énergie. À votre service. Je veux pas dire Damon, non. Il y a toujours plein d'articles médisants sur les bidonvilles dedans. J'aurais plutôt dit Damon. Mais non, mais non. Vous vous méprenez. Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici. C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous. Enfin, bref. C'est bien que vous soyez là, car j'aurai un tout petit service à demander à Monsieur le mercenaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'ange gardien, l'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité? Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra, à qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux. Il est très célèbre, notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin. L'ange gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bon jour. Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime. C'est une menace à l'ordre public. J'ai donc décidé de dévoiler son identité. Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations. Et pour couronner le tout, ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi. J'ai donc eu une idée. En même temps, t'as un brassard marqué presse. À ma place. T'es con. Bon. Ça va, c'est pas trop loin. Et dire que je pensais que la guerre était enfin terminée. Le Wutai est vraiment implacable, je trouve. Vraiment? Oui, c'est moi qui ai construit les autres de mes propres mains. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a? L'ange gardien, vous dites? On sait peu de choses sur lui. Il est très populaire ici, mais personne ne l'a jamais vu. Il envoie toujours un avertissement. Puis il vole quelque chose comme un prestidigitateur. Oh! Mais si ça se trouve, c'en est un? Non! À mon avis, il utilise carrément de la sorcellerie. C'est pour ça que selon certaines rumeurs, ça serait une sorcière. Si on croit tous les ragots, moi aussi j'en ai entendu. Et il y en a même qui disent que c'est une créature. Alors là, laisse-moi te dire ça, que des rumeurs sur lui, j'en connais facilement une bonne vingtaine. On va te parler à toi. Ah, bonjour. T'as l'air suspect. Ça faisait un bail, Aerys. J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre. Oui, c'est moi. Je te présente Mireille. Elle sait absolument tout ce qui se passe dans le quartier. Lui, c'est Cloud. C'est un ancien soldat. Il est très très fort. Il a plutôt l'air débrouillard. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es mercenaire et que les gamins de l'orphelinat t'admirent. Je sais aussi que toi et Aerys, vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie. C'est exact. C'est que j'adore écouter les ragots, moi. En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux. C'est pas pour lui qu'on fait ça. Ce que j'ai entendu de ce voleur a suscité mon intérêt. Rien de plus. Eh bien, voyons. Toi aussi, tu es tombé sous le charme de l'ange gardien, alors. Mais ça va pas, non. J'ai justement de nouvelles informations. Je vais vérifier tout ça, alors attendez-moi. Et allez donc chercher ce journaliste. J'essaie de mettre la main sur mon livre sur la planétologie. Tu m'apporteras encore un de tes conquêtes. Et le ciel alors? Vous pouvez le voir. Je peux pas lui parler toi-même au journaliste, casse ses couilles. Alors, il y a du nouveau? Dites, vous connaissez Mireille? Elle va nous donner des informations toutes fraîches. Mais oui, Mireille! Cette femme qui sait tout. Moi aussi, j'ai tout essayé pour qu'elle me parle. Et à chaque fois, elle m'a évité. Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte? Imbécile! C'est juste un caprice de vieille femme. S'il vous plaît, dites-moi tout avant de changer d'avis. Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard? Toi! Ou alors est-ce qu'elle aurait laissé des traces? Pas du tout. J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache. Son repère? Mais c'est sensationnel, ça! Vous savez où il se trouve? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière. C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps. Le plateau d'observation, vous dites? J'y vais immédiatement!
Mais c'est pas tout. Il y a une autre rumeur aussi. Depuis quelque temps, il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté. Hein? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses. Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout. C'est-à-dire que... tout compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle. Le béaba du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir. Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider. Pas vrai? Dites, monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services. Cassez couilles, hein! Respectez ce plateau d'observation pour moi. Ouais, j'y vais, vas-y, putain, c'est par où? C'est où? C'est tout là-bas, vous foutez de ma gueule, hein, sérieux. Putain. Carrément retourné là où on était tout à l'heure avec Aeris, quoi. Là où il y avait les machines volantes, là, qui nous ont tués au moins 10 fois, là. Ouais, laisse tomber, quoi. Je fais tout ça pour toi, hein. Intérêt de claquer ta tenue, hein. Putain, GIO, hein. Bon bah la porte du cimetière est fermée maintenant, hein. On a rendu la clé au vieux, qui l'a redonné à Moggy. Bah j'espère, hein. Ah c'est là. C'est là ou... Non c'est après. On a toujours pas la clé de la porte là, c'est pas grave. Ce sera beaucoup plus tard dans le jeu. Ah. Créature ici. Déjà fini. Alors c'est là. Ah d'accord. Faisons le ménage. Désolé, on est pressé. À mon tour, c'est ça? On va analyser ça, hein. Ça devrait être... Ouais, j'aime pas les attaques électriques, ok. Quoi? Tu veux que je reste à l'écart? Ah, c'est que là, c'est toi. Sur toi. Je vais m'en occuper. Ah merde. Je peux te laisser faire? À mon tour. C'est quoi ce silence que là? Yes. Tiens, à toi de jouer. Je vais faire tout mon possible. Ça te plaît? Hop. Et bam! Bien. Tu veux vibrer? Yeah.
Hop, un coup de désordre. Bien, chaînement rapide. Te précipite pas. Je vais te montrer ce que je sais faire. Oh là, ouh, putain, je suis pris cher. Non, tu me loupes. Oh, chier. Attends, faut que je me reprenne. Il faut que je sois forte. Oh, vite. Donc c'est écran d'écho, tac. Désolé, j'ai besoin de souffler. What? Ah, c'est bon. Je sais pas. Ah, lieu de casque, ça y est, je déconne complètement. Pardon si je joue pas tout de suite. Juste que casque. Ça sent pas du tout. Voilà. Bon. Garde ton sang-froid. Ça va aller. On va faire comme ça. Hein. Encore un. Hop. Terre pour Iris. Pas de panique. Voilà. Wow, putain. Quoi? Non, tu rigoles? Merde. Ça parce que je n'entends rien dans le casque, quoi. Putain. Courage, ça va aller. C'est perturbe. Les couilles, hein. Oh, coup de défait, con, que casque de merde, ça à cause de ça. Allez, courage. Tu peux me remplacer un petit peu? Bon, la mort. Enfin. Pour commencer, inspectons les environs. Oh bah y a rien qui me dette, hein. À prendre. L'ange gardien vous remercie d'avance pour ses biens. Ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin. C'est une carte d'avertissement de l'ange gardien. Je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin. Rentrons et faisons notre rapport. Ok.
Bon, ça a l'air d'être fixé, à peu près. Non, toujours pas. J'y crois pas! C'est une carte d'avertissement! Il n'y a pas le moindre doute possible! C'est une vraie! C'est bel et bien une carte laissée par l'ange gardien! Hein? C'est donc avec ça qu'il prévient ses futures victimes? C'est une grande découverte! Il n'y avait pas d'autre indice? Tiens donc! On dirait qu'il y a un message écrit sur cette carte. À l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra. J'avais l'intention de te donner une leçon que tu n'oublierais pas en t'attirant dans un piège. Mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire. La prochaine fois, ta curiosité vient te jouer des tours, alors fais bien attention. C'est un avertissement de l'ange gardien. Ouais, il a marqué tout ça. Comment je savais que... Ouais, si le mercenaire n'avait pas été là, ces dangereuses créatures t'auraient sûrement réduit en charpie. Tout ça, ça aurait été de ma faute. J'ai bien failli te conduire à une mort certaine, en voulant te rendre service et en partageant ces informations avec toi. En fait, je voulais te tuer l'autre. Alors, du coup, comme c'est pas moi l'ange gardien. Je compte sur vous pour continuer de me donner des informations de première main sur le bidon. Demande qui c'est l'ange gardien. L'ange gardien a envoyé un nouvel avertissement. Sa prochaine victime, c'est Don Corneo de Wall Market. Bien fait pour lui. Le Don, c'est pas n'importe qui. Cette histoire risque de faire des remous. Vous là-bas, dites-moi plus, s'il vous plaît. J'aurais dû lui demander de me payer. Tiens. Prends donc ça. Y a rien de mal à ce que tu l'acceptes. De toute façon, ça vient des poches de ce journaliste. Va pas croire que je l'ai volé, hein? Je l'ai juste gardé pour lui. Tu m'as impressionné. Tu mérites vraiment ta réputation de mercenaire. CFD. Je pense qu'on devrait pas tarder à rentrer. Il s'est passé autant de temps? Oui, c'est parce que tu acceptes beaucoup trop de travail, à mon avis. Forcément, comme ça paie pas des masses. Tu dois encore faire tes preuves, pas vrai? C'est donc normal. Allez, on rentre? Ouais, hop. Let's go. Ah, te voilà toi. Bonjour, Aerys. Tu m'attendais? Dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain? Ouais, et alors? Qu'est-ce que t'insinues, là? C'est pas très poli. Mais attends, je reconnais ses yeux. C'est donc lui qui a battu Reno. Tu feras quoi si c'est le cas? Un rapport à mon boss, mais je dois m'en assurer. On peut dire ça. Mais en revanche, faut quand même pas chercher des noix au Turc. Le seul Turc que je respecte, c'est Vincent. Il est pas là. Il est en train de dormir dans son cercueil chez moi. Surtout, il prend pas mal. Putain. Ça confirme ce que je pensais. Chez les Turcs, en fait. Vous avez que de la gueule. Exactement. Et c'est toi qui dis ça. Je suis contre la violence. Reste en arrière. Voilà. Je l'ai fait. Laisse-moi le faire. Désolé. Hop. Sommeil. Tiens. Garde ton sang-froid. J'arrive. On va en analyser, c'est jamais. Voyons. Ah, faiblesse au vent, légère résistance au feu. Ok. J'ai promis à Reno de le venger. Et c'est un peu. Tiens, on va te voler des trucs.
c'est un travail d'équipe. À mon tour. Tu étais soldat. Première classe, même. Je serai sans pitié. À toi de jouer. Je vais m'en occuper. Hop là. Ça l'a pris. Là, t'as fait baisse au vent. Bah attends, on va te mettre de l'extra vent. Ça me va. Très bien. Ah, on a cassé tes lunettes. Tu vas nous laisser maintenant. Non. Ah, t'as combien de fer? Ça devient enfin intéressant. Continue. Oui, c'est mon travail. Tu ferais sans doute mieux d'en changer. J'ai les paupières qui sont... Laisse-moi faire. Allez, ensemble. Bon, allez, on se réveille. Il est fort, Cloud, n'est-ce pas? Des types comme lui, il y en a partout. Après, je m'en charge. Il y a personne là. On va mettre l'extra vent parce que t'aimes toujours pas le vent, toi. Tu vas t'envoler. Oh putain. Tu n'as pas dit que tu étais contre la violence. Mais là, c'est de la légitime défense. Oh, je vais remettre des soins. C'est plus fort que ton pote, hein. Attends, voilà, réveiller, Eric, parce que... Je compte sur toi. Je vais te montrer ce que je sais faire. Je fais mon travail, laisse-moi faire. On va voir ce coup-là. Ah, yeah. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Je peux pas me le permettre.
musique de victoire, t'as perdu? N'avais caché ta récré, mais... Apparemment, on nous demande d'urgence pour l'affaire du bidonville du secteur 7. Ramène tes fesses rapidos! Entendu. T'as un changement de programme? On peut dire ça comme ça. Reste chez toi quelque temps. Désolé, c'est pas mon truc. Cassé. Était sympa. Allez. Faire la mission annexe là, tout de suite, elle va nous dire, tiens, viens par là, je vais t'expliquer un truc. Attends un peu. Tu viens à la maison alors? Si j'ai gentiment demandé... Matériel là-bas. Tu parlais aux fleurs là? Chut. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On y va? Ma mère attend, il est tard. Les fleurs, elles t'ont dit quoi? Qu'elles sont très fières de nous. Je rigole. J'entends pas leur voix. Mais tu sais... Laisse tomber. En plus, tu me croirais pas. Sûrement. Dis-moi quand même. T'es sûr? Ouais. On dirait presque que je pourrais les entendre. Qu'elles essaient de me transmettre quelque chose. Quelque chose qu'elles doivent nous dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je crois qu'il me manque un petit truc. Que je n'écoute pas comme il le faut. Et du coup, je n'entends pas. Je ne fais rien comme il le faut. Et à force, je finis par abandonner. C'est pas l'impression que tu donnes, de ce que j'ai vu jusque-là. Non, mais tu sais, aujourd'hui, je fais des efforts. Pourquoi ça? C'est un jour spécial? Allez, rentrons. Faites un effort, vous aussi. Alors? Elles disent quoi? Je crois que c'était... On est fiers de vous. Oui, c'est ce qui me semblait. Ouais, bah attends, je vais récupérer une matérie avant de finir. Hein. Tac. Ah, matériel PM augmenté. Ok. Tu vois, encore le casque. Voilà. Tu veux déjà rentrer? Ah oui, si. Non, continuons.
Non, mais je me suis fait encore avoir, c'est pas vrai, putain. Tu veux déjà rentrer? Pourquoi c'est marqué non en premier, alors que ça devrait être oui? Putain. Ouais, j'en ai assez. Alors qu'il y a 2 secondes, je voulais réparer un truc, putain. On est mort. Vous en avez mis du temps. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Désolée, on a dû faire un petit détour. Le dîner est prêt à être servi. Ah, je vais t'aider. Dans ce cas, prépare plutôt la chambre d'invité. D'accord. Cloud, fais comme chez toi. D'accord, je me barre. C'est comme chez moi, je reste pas. Dis-moi, ses yeux, tu es soldat, hein? Ancien soldat. Écoute-moi bien. Quand la nuit tombera, j'aimerais que tu t'en ailles sans rien dire. Les gens comme toi ont tiré un trait sur une vie normale pour devenir plus fort, non? Il ne faut pas en demander trop. Ça y est, c'est fait. Passons à table. Vous devez avoir faim. On est affamés, hein? Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée. Qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Si tu le dis. Puisqu'on me le demande, je vais m'éclipser. Attention à pas faire de bruit, hein. Parce qu'elle a laissé plein de bordel dans le couloir, l'autre là. Quand c'est couille. Alors, tentez de sortir de chez Iris sans qu'elle vous remarque. Pour cela, prenez garde à ne pas heurter d'objets ou faire du bruit lorsque vous déplacez. Putain, t'es jour là. Y aller tout doucement. Putain! Qu'est-ce que tu fais? Rien. T'as fait un cauchemar, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, repose-toi jusqu'à l'aube. Demain matin, je te raccompagnerai. Ok. Mais aussi, c'est un éléphant, Claude, là. Est-ce que... Casse les couilles, hein. Il faut que je fasse plus attention cette fois. Obligé de laisser du bordel comme ça dans le couloir aussi, l'autre. Putain. J'appuie doucement là, putain. C'est par là. Voilà. Et arrivé, hein.
Ah ben, dis donc. Ça y est, tu y vas? Comment je dois faire pour aller au secteur 7? Il suffit de traverser le secteur 6. C'est simple, non? Il y a quelques... Bon, c'est vrai, j'aurais pu deviner tout seul. Ex-soldat. Enfin bref. Désormais, ne t'approche plus de ma fille, s'il te plaît. Entendu. Ouais, mais c'est elle qui me couvre après, j'ai pas rien. Putain... Qu'est-ce que tu fais dehors, sœur, là, toi? Ah, notre gentil fleuriste! Je vous suis très reconnaissante d'être allée secourir les enfants aujourd'hui. Ils sont tous émerveillés par votre courage et ne parlent plus que du soldat. Veux-tu bien remercier Aerys de ma part, s'il te plaît? Ok. J'ai pas le temps, je me barre. Bye! Prendre des super potions là, puis 5 de phénix. Une 8 flacons de sel là, puis un truc d'écho, tac. Voilà. C'est très agréable de faire tes courses chez toi. Je pense qu'on n'aura pas mieux, tant pis. J'essaie de régler mon casque, mais j'y arrive pas. Bon bah tant pis, hein. Casse les couilles, hein. Ah, qui voilà? Voilà une drôle de coïncidence. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Pourquoi? Parce que je veux rester avec toi. Oh. Oh. Montre-moi le chemin. Avec plaisir. C'était à l'époque où on bâtissait Midgar. Personne ne vivait dessus à ce moment. Heureusement, sinon ça aurait été une catastrophe. C'est quoi ça? C'est Wall Market. Le bidonville du secteur 6 est un endroit un peu spécial. Mais attends, tu sais sûrement déjà de quoi il s'agit, non? Je t'ai pas raconté. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite rejoint la Shinra.
que ce soit celui-là ou un autre, je connais pas trop les bidonvilles. Autrefois, pour pouvoir construire Midgar, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre. On a donc créé plein d'hôtels, de magasins, de bars et d'autres établissements. Club de striptease, tout ça, voilà. Et l'argent a commencé à couler à flot. Forcément, ça a attisé les convoitises et attiré des gens dangereux. C'est donc malfamé. Oui. Cool, on y va. J'ai un quartier louche de s'étendre ailleurs. On l'a encerclé d'un mur. C'est comme ça qu'est né Wall Market. À l'intérieur de cette enceinte, les infractions sont tolérées. De cette façon, le problème est contenu. C'est le mur qu'on voit là-bas, c'est ça? Oui. Tu voudrais y jeter un œil? Ça m'intéresse pas. Tant mieux. Il y a un raccourci pour le secteur 7 par ici. Normalement, on prend le chemin qui passe par Wall Market. Mais moi, je conseille plutôt celui-ci. Quand j'étais toute petite, je passais déjà par là en secret. Ça promet. J'ai pas d'autre chose. Ouais, peut-être les améliorer, non même pas. Putain. C'est la misère. Hein. Effondré, il a été laissé dans cet état. On va passer par là? Ça a l'air rigolo, non? Je le dis, hein. Voilà, y'a rien. À toi de jouer. Je vais m'en occuper. Et puis, c'est quoi ça? Ça fait des saluts là? Commençons par. C'est la glace. Ok. Créature, voilà. Je vois tout ce qui se passe avec toi. Une créature volante, généralement, ça va être juste devant, hein. Voilà. J'ai même pas forcé. C'est quoi ça? C'est un bras gru. Ça a du charme, tu trouves pas? Utiliser.
Alors, vas-y. Alors, joystick gauche pour monter et baisser, joystick droit pour faire pivoter à droite ou à gauche, rond pour faire monter Iris ou la faire descendre. Attention, afin d'éliminer les risques d'accident lors d'utilisation d'une bras grip, veuillez à ne jamais les abaisser en dehors des lignes jaunes. Ok. Cloud! Bon, je vais monter sur le bras grue. Alors transporte-moi jusque là-bas. Tu es sûr? Tout à fait. Une fois de l'autre côté, je descendrai l'échelle pour toi. Hop là. Ça devrait aller. Attends un peu. Je vais faire descendre l'échelle. Et voilà, le tour est joué. On a réussi. Ouais. On fait une équipe du tonnerre. De l'é. Voilà. On l'a réveillé. Direct. Garde ton sang-froid. Je vais m'en occuper. Si l'accès a été bloqué, ça doit être à cause de l'apparition de créatures, j'imagine. Tu avais l'habitude de jouer à cet endroit? Ben oui, j'ai grandi au bidonville. Ça t'a rendu forte? C'est pas vraiment un compliment. Bah si, t'es balèze quoi, putain. On va descendre là. Youhou! Il y a une coffre ici. Ah, c'est une merde là. À toi de jouer.
Ah, ta couille, hein. Ça va, toi ? Pas de bobo ? Faire une sauvegarde ici et après on verra bien.